Les amis, les abonnés, rebonjour, Cédric des Calaminages de Motor Clean. Donc voilà, après le débouchage du filtre à particules donc sur le Chevrolet Captiva, on a lancé donc la régénération. En accumulation de suie, on était à 158. Donc comme vous le voyez, 141, 140, ça descend. Température du filtre à particules, on a dépassé les 460 degrés, 470, 472. Ça va faire que augmenter. Donc derrière, on a une légère fumée. Il y avait une légère fumée plus importante au début de prestation. Donc là, le but de la régénération, c'est de venir faire cramer le surplus de calamine qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, je vous répète, l'accumulation de suie en début de prestation était à 158. On a une température du FAP qui est à 480, 484. On a tout remis en place sur le moteur et ça tourne bien. Je vais vous montrer maintenant toute la calamine qu'on a liquéfiée avant de faire la régénération. Voilà, donc toute cette huile boueuse là, c'est toute la calamine qu'on est venu liquéfier. On n'aurait pas pu faire une régénération tout de suite parce que sinon il y avait des risques d'incendie. Quand les FAP sont trop pleins, c'est déconseillé de faire une régénération. Voilà les amis, donc comme je vous ai dit, on était à 158 en termes d'accumulation de suie. Là on est à 74, ça fait son travail. Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, on se déplace partout sur Paris-Île-de-France, 06 62 58 05 14. À bientôt.